Bonsoir, comme le tout des lundis soirs, j'aimerais que dans un premier temps dédier le cours à la mémoire de quelques personnes qui ont pour point commun d'avoir été des personnes de grande qualité, qui ont eu beaucoup d'épreuves dans leur vie et qui ont malgré tout tout fait pour que les choses se passent au mieux pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Et je tiens à souligner la grandeur de toutes ces personnes. La première personne est pour moi une personne très particulière, puisque c'est le fondateur d'une des communautés de ma commune Aubervilliers, qui s'appelle Yaoubachavtsa Sabar, qui nous a quittés il y a une semaine. Un monsieur qui, depuis tout le temps, on a fait son éloge, parce que c'est un monsieur qui a servi la communauté d'une manière la mieux possible depuis qu'il est arrivé d'Algérie. Et c'est pour moi vraiment quelqu'un de très grande qualité. Et je passe un petit coucou à toute sa famille ce soir. La deuxième personne, un monsieur que je n'ai pas connu, qui s'appelle Youssef Benourida. Le troisième, c'est ce monsieur dont je parlais la semaine dernière, qui s'appelle Yaakov Benzari, qui était dans une situation, on était dans une situation assez difficile pour lui permettre d'être enterré, Kedat Moshe Israël selon la loi juive. Et Baruch HaShem, les choses se sont faites comme il faut. Donc Yaakov Benzari. Quoi qu'Akadosh Baruch Hu lui accorde l'aliyat haneshama, Amen, l'élévation de amen. son âme. Une autre personne qui s'appelle Chana Batmeziana, je suis occupé aujourd'hui de faire son éloge, son oraison funèbre. Une dame qui s'est beaucoup consacrée à ses enfants et petits-enfants, Baruch HaShem. Et la dernière qui est bien évidemment pour moi une personnalité qui me représente, puisque la semaine dernière, nous avons commémoré le 33e anniversaire de la disparition de ma grand-mère, qui s'appelait Rachel Bat Myriam Kamir. Et donc, c'est pour moi une période assez importante à ce niveau-là. Bien évidemment, je dédierai aussi le cours pour la guérison totale de la Refoua Shlema de plusieurs personnes, en commençant par ce monsieur qui s'appelle Chai Ben Luna, un autre qui s'appelle Marcel Chamous Ben Liza, mon cher ami Aurel Ben Sarah, notre très grand ami Chaim Ben Messaouda, Amen. le père Amen. de personnes qui me sont chères et qui sont et que j'ai un monsieur de très grande valeur, Meir Ben Myriam. Et je terminerai donc par une personne qu'on m'a demandé de prier pour elle sur Facebook cette dernière semaine, qui s'appelle Khamous Ben Rachel, que donc Akadosh Baruch Hu leur accorde à tous une refoua shlema, une guérison totale. Amen. Comme Amen. je l'ai dit, nous sommes ce soir lundi soir. Et ce lundi soir commence le nouveau mois qui est le mois de d'Eloul et qui tourne en même temps que la parashat Shoftim Veshoterim. Donc des policiers et des juges, tu mettras dans toutes tes portes. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne une mitzvah, à savoir de mettre des règles juridiques pour respecter les lois de la Torah. Cette mitzvah fait aussi partie des sept lois des enfants de Noé, donc les Sheva Mitzvah de Noach, les sept lois Noachides. Où parmi leurs sept mitzvot, il en est une qui est d'imposer des tribunaux qui fassent respecter la loi. Donc il y a des tribunaux et des juges et des policiers qui mettent en application les décisions des juges et les décisions juridiques. Mais au-delà de cet aspect clairement juridique, donc les valeurs de loi, le Shlach Kadosh, qui est un grand maître du monde ashkénaze d'il y a quelques siècles, nous dit. Nous met devant l'actualisation de cette loi dans la vie personnelle de tout homme. À savoir, il nous dit, Shoftim et Shoterim, ça veut dire quoi? Des juges et des policiers, tu mettras dans toutes tes portes, ça veut dire dans tous tes orifices. L'homme a deux yeux, a deux oreilles, a deux narines et une bouche. Ce sont des orifices qui font rentrer et sortir des choses. Des yeux sont pénétrés de la vision, je vois certaines choses. Et d'autres choses que je fais ressortir de ma vue. Les oreilles entendent et perçoivent certaines choses, le nez sent, les narines sentent et la bouche mange et parle. Et donc, il nous dit que finalement, ces orifices, ce sont des orifices sur lesquels il faut mettre des juges et des policiers. À savoir que lorsque je vais décider d'aller voir quelque chose, je dois déjà décider est-ce que ce que je vais voir est quelque chose de bon, de positif ou négatif pour moi. Est-ce que je peux tout voir par exemple sur Internet? Est-ce que je peux voir tous les spectacles
possible et imaginable qui risque de me perturber. Est-ce que j'ai le droit d'écouter toutes sortes de musiques? Et là, aujourd'hui, que Dieu nous préserve, nous avons toute une panoplie de musiques ou de choses à entendre qui sont plus négatives les unes que les autres. Un seul petit exemple, le rap. C'est une musique qui est prisée par les jeunes, mais qui fait preuve d'une certaine violence dans ses propos. Et des musiques qui ne nous sont pas du tout adaptées. Est-ce que j'ai le droit de sentir toutes les odeurs qui passent devant moi? Est-ce que j'ai le droit de manger tout ce qui se présente devant moi? Il est bien évidemment que pas tout n'est cachère, pas tout n'est adapté à notre bouche. Et bien évidemment, ce qui fait la force de la bouche, c'est notre parole. Est-ce que j'ai le droit de faire sortir tous les discours de ma bouche? Est-ce que j'ai le droit d'entendre tous les discours qui se propagent autour de moi? Est-ce que j'ai le droit de parler de la shonara, de la médisance, etc. Donc c'est tout à fait le propos de nous dire que dans notre vie de tous les jours, on est malheureusement agressé, maltraité par la société qui nous fait voir, nous fait entendre, nous fait sentir et nous fait dire plein de choses qui sont contraires à ce que sont nos vraies valeurs. Et donc le Shla Kadosh Tzadik nous dit qu'il faut mettre justement des juges et des policiers devant ça. Les juges, ce sont déjà des réflexions de se dire est-ce que ce que je vais faire est bon ou mauvais pour moi. Et les policiers, ce sont à partir du moment où j'ai décidé que c'était mauvais et que c'était dans mon libre arbitre quelque chose de négatif, je décide de ne pas faire ce que j'aurais pu ou ne faire dans ce qui se présente devant moi. Et donc, comme je l'ai dit, nous sommes lundi soir et nous rentrons dans un nouveau mois qui s'appelle le mois d'Eloul. Le mois d'Eloul est un des mois particuliers dans l'année, puisque c'est le 12e et dernier mois de l'année, qui est le mois de la Teshuvah, le mois du retour vers Dieu, un mois où il faut s'appliquer à avoir des meilleures pensées, à réfléchir sur notre passé, se présenter dans un avenir en essayant de le rendre meilleur, ce qui est le principe de la Teshuvah. La Teshuvah de retour, de repentir, a une double application. Premièrement, Rambam nous dit, Maïmonide, c'est charata la'avar, c'est un regret sur le passé, regretter nos mauvaises actions. Et deuxième chose, c'est achlata la'atid, c'est des décisions pour le futur. Comment je vais changer ma vie, comment je vais l'adapter pour qu'elle devienne meilleure. Et à partir de là, on nous demande, pendant ce mois de Sederot, dans le monde séfarade, pendant ce mois de la Teshuvah, de se lever plus tôt le matin, d'aller à la synagogue, et de demander pardon à Dieu, de sonner le shofar qui va réveiller notre neshama, qui va réveiller notre âme, pour revenir vers Hachem, et qui va nous permettre de nous rapprocher de Dieu d'une manière différente. Mais un autre des principes du mois d'Eloul, qui est un principe porteur d'espoir, et porteur de vraiment de belles choses pour le futur, c'est ce que le premier rabbi de Lubavitch disait du mois d'Eloul. Il nous disait que le mois d'Eloul fait référence à un roi qui se trouve dans les champs. Et ce roi, alors qu'à d'autres moments de l'année, il se trouve dans son palais, il ne reçoit que ce rendez-vous, il ne reçoit que des personnalités importantes. Pendant le mois d'Eloul, il est dans les champs, ce qui veut dire que n'importe qui peut aller le voir, peut aller s'adresser à lui, et il va le recevoir avec beaucoup de gentillesse, avec un sourire, et toutes les demandes sont en voie d'être exaucées. Un peu comme l'Avdil, si je puis dire, à l'époque où Chirac était président, qui allait pendant les mois de vacances au fort de Brégançon, et là il se mettait en petite tenue, et n'importe qui pouvait aller le saluer, et répondre à tout le monde avec un grand sourire. Donc à Kadosh Baruch Hu, bien évidemment sans comparer, dans ce mois-là il se trouve dans les champs, ce qui veut dire qu'il est dans une grande mesure en état de nous exaucer d'une manière plus forte que tout au long de l'année. Toute l'année, nous avons des principes, des règles pour les prières. Trois fois par jour, on se réunit dans un jour de semaine normal pour faire des trois prières qui s'appellent Shacharit, Mincha et Arvit. Il faut réunir, si possible, un quorum, 10 hommes, un minyan, qui permettront de faire certaines prières qui ne peuvent pas être faites sans Kaddish, et sans minyan, sans 10 hommes, notamment la prière du Kaddish, la Kedusha, certaines prières qui ne peuvent être faites qu'en présence de ces 10 hommes. Et à ce moment-là, on nous dit que éventuellement nos prières peuvent monter plus facilement. Quand on demande de prier pour des malades, qu'est-ce que l'on fait? Aujourd'hui, on choisit le billet le plus simple et le plus naturel, qui est Internet, les SMS, Facebook, où on demande de prier pour les hommes.
mais on soit et de prier pour nos malades. Mais au mois des doutes, la particularité, c'est que n'importe quel moment où je m'adresse à Dieu, plus qu'à d'autres moments, Dieu est en mesure de m'écouter. Pourquoi? Parce que Dieu a 13 attributs, des attributs de miséricorde, et ces attributs de miséricorde prennent encore plus d'effet et de valeur pendant le mois des doutes, qui est le mois justement où chaque personne est en mesure de se rapprocher de Dieu. Et d'ailleurs, le mois Eloul, donc comporte 4 lettres dans sa forme hébraïsante, qui sont Aleph, Lamed, Vav, Lamed, 4 lettres qui font référence à des devoirs qu'on a pendant cette période du mois Eloul. Donc je l'ai dit, une des choses qu'on doit respecter pendant le mois Eloul, c'est la Teshuva, le retour vers Dieu. Et un des versets qui fait référence à cette idée de Teshuva, c'est le verset de la Parasha Nitzavim, 5e livre de la Torah, où il est dit « Umal, Hashem, le Aleph, Elokecha, et Lebafra, et Lebab. » Dieu va faire la circoncision de ton cœur et du cœur de ta descendance. Quand fait-on la circoncision de son cœur? De la même manière qu'au moment de faire une circoncision naturelle, on enlève le prépuce qui entoure le pénis pour pouvoir faire la Brit Mila, là on nous demande d'enlever le prépuce qui couvre notre cœur. Notre cœur qui veut se rapprocher de Dieu, on lui a installé un prépuce, une carapace, qui ne lui permet pas à tout moment de sourire vers Dieu. Et là donc on nous demande d'enlever cette carapace qui nous rend insensible, qui nous rend un peu froid vers Dieu, et on nous demande justement d'ouvrir ce cœur pour recevoir l'élan de Teshuva, le lent de retour vers Dieu de ce moment-là. Le mois d'Eloul est aussi le mois de la Tzedaka, du don pour les pauvres, de l'aide aux gens nécessiteux. Pour preuve, le verset « Ish l'ereu matanot ebionim ». Les 4 premières lettres de ces 4 mots forment le mot « Eloul ».« Ish l'ereu matanot ebionim » est un verset inspiré de la Megillah d'Esther, le récit de Purim, où une des mitzvot, c'est de donner un cadeau à un pauvre, un homme à son voisin et des cadeaux aux pauvres, la tzedaka. La tefila, un des aspects les plus importants du mois d'Eloul, c'est donc la prière que l'on fait encore avec plus de ferveur et avec des rajouts de sédéchot, donc de supplication. Et le verset qui fait référence, c'est Anil Edodi Vedodili. Ce verset que l'on récite dans le monde Sefarat tous les vendredis soirs, dans le Cantique des Cantiques, où on dit « Je suis à mon bien-aimé est à moi ». Donc le roi Salomon est en train de nous dire que finalement, mon bien-aimé c'est Dieu, je me rapproche de Dieu et Dieu descend vers moi. C'est le principe de la prière, puisque l'homme s'adresse à Dieu, il fait monter ses prières vers Dieu, et en retour Dieu lui accorde sa bénédiction. Et enfin, l'étude de la Torah, le verset qu'on utilise pour cette histoire, c'est Ina le Yado Vesamti Lachmakom. Ça parle des villes de refuge, d'accord. Il y avait un principe qu'il fallait avoir des villes de refuge pour toute personne qui avait commis un meurtre ou un assassinat non intentionnel. Il devait, pour ne pas être tué par la famille de celui qu'il avait tué, il devait s'enfuir dans des villes de refuge, dans des villes où il devait s'installer jusqu'à la mort du Kohen Gadol, du grand prêtre, et se le protéger parce que c'était une ville fermée pour les gens qui avaient commis ce genre de crime. Et or, on nous dit que les divrei Torah koltin, ce sont les paroles de Torah qui protègent. Donc, l'étude de la Torah nous protège de toutes pendant cette période-là, encore plus qu'en toute période. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que depuis une quinzaine de jours, les nuits se rallonge, puisque à partir du 15 du mois de Av, c'est le jour où l'équinoxe va en tombant et où le soleil va en s'inclinant plus tôt. On finit le Shabbat plus tôt, les jours se lèvent et se couchent, se lèvent plus tard et se couchent plus tôt. Et donc la nuit, qui est un moment où on pourrait sortir et prendre un peu de plaisir, c'est aussi un moment où on peut, en tant que bonne personne, consacrer son temps à l'étude de la Torah. Donc nous avons compris par ce propos le principe du mois d'Eloul, qui est un mois de responsabilisation, un mois où tout homme doit essayer de se rapprocher un peu plus de Dieu, d'aider un peu plus son prochain, etc., pour que lorsqu'arrivera le jour de Rosh Hashanah, si Dieu veut, dans un peu plus d'un mois, nous soyons prêts au jugement qui nous sera, si Dieu veut, favorable,
en espérant qu'Akadosh Baruch Hu nous permette de finir très très rapidement cette période d'exil pour entrer dans une période messianique, la venue de Mashiach, qui nous permettra justement de vivre, juif comme non-juif, notre vie d'une manière beaucoup plus douce, d'une manière plus authentique, plus vraie, comme cette authenticité de ces personnes que j'ai citées au début, qu'ils ont une authenticité dans leur service de Dieu, une authenticité dans leur transmission de valeurs qui fait toute leur grandeur et dont nous devons tous nous inspirer pour pouvoir être de meilleures personnes jusqu'à la fin de notre propre vie. Bonne soirée et à la semaine prochaine.